précis que tu travailles pour ton prochain combat? Non, pas spécialement. Non, non, pas spécialement. On travaille sur les choses sur lesquelles on a l'habitude de travailler. Non, pas spécialement. Pas spécialement, non. Ça grille du poids lourd même à Fort Boyard. Ah ouais, l'épreuve, ouais, les tarbats, putain. Faut savoir en fait sur Fort Boyard, les épreuves pour ceux qui ont regardé Fort Boyard justement parce que j'y suis passé là ce week-end. Les épreuves, ils raccourcissent le temps des épreuves en fait. Et donc en fait, par exemple, l'épreuve avec Big Boo où on est en train de pousser le tronc comme ça, bam, bam, bam. Ben ça dure, je sais pas, 20 secondes sur le truc. Mais en vrai, ça dure 2-3 minutes. Pour ça, j'ai une tête en même temps, la barre vient là, je suis mort et tout, j'explose et tout. Parce que je suis mort, et en fait, le tarba, Big Boo, au début de l'épreuve, bah, je commence à pousser. Je commence à pousser. Ah, je vois la technique déjà, je le copie parce que moi, je connais pas, et je connaissais pas l'épreuve, je connais pas les techniques, tu vois, j'ai pas le temps d'y réfléchir. Et j'ai vu, tac, il mettait halle et tout, donc j'étais comme lui, ta la la, je forçais, je forçais, je forçais, mais c'est du sable, donc t'as pas d'appui. Donc tu forces, tu remets les appuis, tu forces, tu forces. Et en fait, en montant, je le regarde, il bougeait hop. Lui, en fait, il avait mis ses pieds dans le sable, crac, il avait écrasé ses pieds dans le sable, bah, il s'était fait des petites cales avec le sable. Il me laissait me forcer, tu vois, donc il forçait un peu, forcément, parce que je forçais à balle. Mais sauf qu'il attendait, que je m'épuise. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, yeah! Tac, j'ai fait pareil que lui, kakakaka. Et quand ça, tac, tac. Et à un moment donné, c'est là où on voit que j'ai les appuis. C'est que kakaka, j'attends aussi, donc ça pousse quand même, hein. Et à un moment donné, je fais quoi? Au lieu d'avoir la barre ici, je triche et je la remets là. Et donc ce qui fait que je lui montre pas, mais je pousse. Et en fait, je me recule un peu, je la mets là. Et ce qui fait que quand j'ai repoussé, j'ai gagné 10 cm de patate et ça l'a surpris et c'est à ce moment-là où tu me vois faire la grimace et je mets plein de balles bah 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 parce que je l'ai mis en fait il a été surpris par les 10 cm de poussée supplémentaire qu'on avait l'habitude de se contrôler tu vois et donc j'ai gratté comme ça j'ai gardé la position parce qu'il me regardait pas et là bam j'ai forcé du coup ta et j'ai remis bam boum 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 après j'ai accéléré. Hier soir je suis un gosse putain. Mais c'était gaulerie, c'était gaulerie. Big Boo, non, Big Boo, là, 135 kilos, c'est un Sénégalais, là, bien épais. Bien épais. Il avait 15, ouais, 15, 20 kilos de plus que moi. MC Passepartout, en freestyle. Aspinall Blade, pronostic. Ben, comme à chaque fois, sur le papier, je pense qu'Aspinall, vraiment. Comme j'ai dit, Aspinall, il est très 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 fort. Il est trop trop fort. Aspinall, je pense vraiment qu'il a plus, il a plus d'armes. Il a plus d'armes que Blade. Mais Blade a déjà beaucoup d'armes en fait. Et il les utilise bien. Mais ce qu'il y a Blade, c'est qu'il peut faire des erreurs tactiques, je trouve, parfois. Il perd des combats qu'il ne devrait pas perdre des fois, tu vois. Que de l'autre côté, on a Aspinall efficace. Tu vois, donc il prend les bons choix. C'est grillé. Que Blade il prend pas trop les bons choix des fois par exemple le KO qu'il prend sur Derrick Lewis n'attend qu'une chose c'est qu'il mette sa tête à cet endroit-là il lui a donné bam, lorsqu'il gagnait son combat debout et tout genre énervé qu'on ait gagné les 2 premiers rounds et l'autre il faisait rien il attendait boum connexion sur un coup genre ça enfin je pense qu'à l'entraînement c'est quelque chose que tu travailles tu sais que le bouc va faire ça parce qu'il fait que ça. Toi, tu sais que tu as l'habitude d'aller lutter. Bon, tu travailles sur un bail de. Tu vois. Ben, quand tu descends, tu mets un queutru, tu vois. Là, il est descendu sans jaber, sans rien faire. Il est descendu comme ça. Sans feinter, sans rien faire. Boum. Genre, lorsque le mec gagnait son combat, n'avait même pas besoin de lutter. Tu vois, des fois, il fait des erreurs comme ça, Blade. Mais sinon, il est très très chaud, Blade. Il est grand, il est lourd, il sait lutter. Maintenant, il sait bien striker. Sa boxe, elle est belle, il s'est kické. Donc, ouais, les deux, c'est des vrais problèmes. Pour moi, les deux vrais problèmes de la catégorie, les plus gros problèmes, c'est eux. J'ai une énergie, j'ai pas réussi à avoir de place pour venir te voir à Bercy. Bah ouais, les gars, bah, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de place. Vous pouvez encore en trouver, je pense, mais à des prix exorbitants, parce qu'il y a des gros malins qui prennent des tickets et qui font leur business comme ça, qui les revendent à 2, 3, 4, 4 fois le prix de base, tu vois. Bravo pour ceux qui ont réussi à avoir les billets parce que c'était pas facile. C'était pas facile.
Un mot sur le KO de ton futur adversaire sur Lewis. Ah, tu penses. Ah, sur le KO, machin. Bah, c'est un surprenant, comme d'hab. Tai Tuivasa, son dernier combat, c'était Derrick Lewis. Il le gagne, et pourtant, bah, il se fait toucher encore une fois. Ses deux derniers combats, c'est ça. En fait, j'ai remarqué, parce que du coup, Lopez a fait quelques vidéos. D'études, il m'a envoyé des petites vidéos courtes comme ça, des petits machins. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que Tai Tuivasa, il prend beaucoup de coups. Il prend beaucoup de coups. Alors, il a la chance de résister, tu vois, de résister aux coups, mais il prend beaucoup de coups. Il prend beaucoup de coups. Et sur les deux derniers combats, c'est lui qui se fait salement toucher, hein, mais salement toucher. Hein. Bah, 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 tu vois, ses jambes, boum, boum, bah, bah, bah. Bah bah bah, les mecs ils se disent, ouf, je vais le finir. Boubou, ils se rencontraient salement. Extrêmement dangereux, Tai Tuivasa. Extrêmement dangereux. Tu le touches, il est sonné. Tu crois que tu peux le cueillir, le terminer tranquillement. Boubou. Donc, ouais, donc c'est ce qui s'est passé avec Derrick Lewis, c'est ce qui s'est passé avec Harris. Chaque fois, je confonds, j'oublie toujours son blaze. Le footballeur américain, là. Voilà quoi. On m'entend pas assez fort, mais pourtant le micro est quasiment à fond et je suis assez proche du micro quand vous pouvez le voir. Tu penses que la prochaine contre Ngannou c'est la bonne? Bah j'espère hein, s'il y en a une autre que ce sera la bonne. Un rematch contre Francis, bon on sait pas trop ce qui se passe hein, les gars dans la catégorie. Je pense que moi j'ai été mis en arrière de fou malade. Je pense que moi si je gagne. Derrière, alors ce qui se passe, c'est que moi j'ai un combat. Que Blade, Aspinall, ils ont un combat. Que normalement, Stipe, Jones ont un combat. Et donc ça se joue entre nous six là. Dépital, champion, Francis. Et donc ce que je pense, c'est que le gagnant de Stipe, Jones, ceinture intérimaire, prendra ensuite John Jones. Que moi, si je gagne, comme je reste quand même en haut du tableau, il y a moyen que j'arrive peut-être derrière, ou ça se trouve, ils me feront faire encore une étape avant. Mais en tout cas, j'arriverai toujours derrière ceux qui auront la ceinture intérimaire. Et voilà, c'est un peu ça. Il y a pas mal de monde, ils savent pas trop quoi faire, je crois. Est-ce que la blessure de Francis va le faire régresser? Non, je pense pas. Je pense que, tu vois, quand tu es un athlète de haut niveau, tu t'entoures des meilleurs. Et des blessures comme ça, t'en reviens normalement. Si tu prends le temps de bien guérir, de bien faire les choses, la bonne rééducation, il y a toujours moyen de revenir au top. Toujours. Fais gaffe, Cyril, tout le monde te voit gagner en avance contre lui. Méfie-toi car une mauvaise surprise peut t'arriver. Quand on s'y attend pas. Merci, Nassim. Mais sauf que moi, je m'y attends. Les mauvaises surprises. Je m'y attends. Non, non, t'inquiète pas, merci pour ton conseil, mais moi, si tu me connais un peu, j'arrive jamais sur un combat en mode c'est gagné d'avance. Quand je mets un pied dans la cage, moi, c'est 50-50. À partir du moment où tu mets le pied dans la cage, tout peut arriver. Alors, ouais, j'ai des atouts, il en a. J'ai déjà combattu des mecs comme lui, j'en ai battu. On sait que je gère plutôt bien ces gars-là. Mais c'est 50-50. Moi, c'est ma philosophie. À partir du moment où tu mets le pied dans la cage, tout peut arriver. Soit parce que toi, t'arrives avec des blessures. Enfin, c'est tellement multifactoriel que voilà quoi. Mais t'inquiète pas, Chopper. Je vais y aller en mode prudence, t'inquiète pas. Je suis toujours très concentré et très prudent. C'est la raison pour laquelle mon style de combat est comme ça et que je prends pas beaucoup de coups. Mais merci, merci petit père. Pourquoi tu dis Larissa et le lait du bébé, vous entendez la petite pleurer derrière? Bah ouais, surtout en poids lourd, bah ouais, c'est ça. Ouais. Hey, Shine, merci pour les subs, on est là, santé. Geek Nima, on est là. On est ensemble. Ça fait plaisir. Tu penses te gagner comment? Ben, je sais pas, j'espère, j'ai envie d'avoir une belle condition physique.
comme je disais, mettre une intensité. Ouais, ouais, ouais. Jean Lambana, on est là. Merci pour les subs. Santé. Philippe Etchebest pour démarrer dans le MMA. Mais Philippe Etchebest, il est archi chaud sur le MMA. Hein. En fait, si tu veux, Philippe, bah, c'est lui qui faisait Fort Boyard. Et en fait, t'as un capitaine à chaque fois. Avec Fort Boyard, tu fais ça pour gagner des boyards, pour gagner des sous, pour une assos. Et en fait, Philippe, il l'a fait pour les pompiers solidaires, dont il fait partie également. Et donc, en fait, lui, c'était le capitaine. Il a demandé à faire des équipes. Et donc, on lui a proposé des gens et il m'a demandé moi, parce qu'il adore le MMA. Son fils est fan de MMA et tout. Il adore le MMA, Philippe Etchebest. Il adore ça. De là en faire, je suis pas sûr, mais en tout cas, il kiffe vraiment. Si ta fille plus tard souhaite faire des sports de combat, ça te dérangerait pas? Si, ça me dérangerait. Vas-y, la flemme d'avoir. Vas-y, moi, quand j'ai mes gars qui combattent, je suis salement stressé. Je suis pas stressé pour mes combats, mais pour mes gars qui combattent, je suis salement stressé. Alors, imagine ma fille. Laisse tomber, je veux pas qu'elle fasse ça. Qu'elle aille faire un autre sport, frère. Il y a tellement d'autres sports. J'espère que mes enfants ne font pas de sport de combat. Lovni Ichon, Cyril Midsizer. Ouais, 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 bon gamin. Entertainment. Ouais, propre fille et tout. J'imagine même pas mes parents et tout. Mon père, ça va, même si c'est quand même une dose de stress. Mais la daronne, elle regarde même pas. La femme, elle regarde même pas. C'est compliqué. Brock Lesnar. Est-ce que j'aurais aimé affronter Brock Lesnar? Non, la flemme, frérot. T'es mal, cette boule. Plein de testostérone. La flemme. Ouais. Sinon, ça dit quoi, les gars? Ça raconte quoi? C'est quoi les actus en ce moment? Moi, j'allume pas trop la télé. Je sais qu'il y a eu pas mal de feux avec le machin et tout. Tu connais Mangoche Arrière? Si oui, tu en penses quoi? Mangoche Arrière, Montella Jolie. Combattant français en haut du paysage du MMA français. Pas besoin de. On va tout crever. On va seulement tout crever. La chaleur était incroyable. Ouais, il y a eu des feux de fou malade. Bah tant mieux qu'ils se mettent à pleuvoir aujourd'hui et tout, parce que franchement. De fou malade. Booba, ouais, j'ai vu Booba, il a mis la story. Hors sujet, en plus, c'était même pas ça, c'était le journaliste, c'était un truc de rap. Et il me demandait. Le fait que les gens n'utilisent plus le mot duel, mais qu'ils ont remplacé le mot duel, en gros, par octogone. Je te propose un octogone, au lieu de dire je te propose un duel, comme on disait à l'époque. Maintenant, ça dit je te propose un octogone. Non, j'ai pas de musique qui me motive, je m'en fiche en fait. C'est pour ça là, ça va être trop dur pour Paris. Je sais pas quoi choisir. Il y a moyen que je mette du B2O à l'ancienne, des classiques de B2O. Je crois qu'il y a moyen que je mette du B2O. Est-ce que ça met une pression de combattre à la maison? Non, en tout cas pas pour l'instant. Ça me motive à donner du spectacle, j'espère en donner, mais pour l'instant j'ai pas de pression négative sur les épaules, j'ai pas un truc qui me pèse, comme d'habitude je vais aller faire mon truc quoi.